J'espère que vous allez bien. Je parle de façon terre à terre parce que je suis content de vous retrouver. Et ici, c'est la plateforme du forex, de la crypto et du trading. Et surtout, aujourd'hui, nous allons vous montrer un peu une petite lucarne sur comment est-ce que les gens font véritablement pour vider les portefeuilles, Trust Wallet, ou bien soit MetaMask, en tout cas tous les portefeuilles qui ont soit des applications décentralisées, des échangeurs décentralisés, les portefeuilles décentralisés en tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez vous faire, comment est-ce que les gens peuvent vous arnaquer et comment vous pouvez éviter ce genre d'arnaque. Voilà, cette arnaque-là, c'est fait parce que c'est un manque d'information, je peux dire, c'est un manque de méfiance. Et par mégarde, certaines personnes ont vu leur portefeuille totalement vidé. Donc, sur ce pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont véritablement sortir. Donc là, sans transition, je vais vous montrer quel est ce site-là qui véritablement, et quels sont d'ailleurs ces genres de sites. Ce site-là a été fermé. Voilà, ça a été fermé. Mais lorsque ce site-là était encore ouvert et que vous allez sur ce site, en même temps, vous voyez cette page-là qui va s'afficher une fois que vous cliquez sur ce site-là. Immédiatement, une page s'affiche. Ce site, voici une information qui va ensuite apparaître. Lorsque vous allez sur le site, vous voyez cette information-là qui vous dit voici 1000 Trust Wallet tokens qui vous seront distribués dès que vous connectez votre Trust Wallet, votre portefeuille ou bien votre MetaMask. Parce que la majorité, c'est sur Trust Wallet que les gens véritablement ils vont pour se faire arnaquer. Trust Wallet n'est pas mauvais, Trust Wallet n'est pas du tout arnaqueur, mais ce sont les sites que vous passez au travers Trust Wallet. Vous introduisez ces sites-là dans vos portefeuilles, dans vos échangeurs, dans vos applications décentralisées telles que PancakeSwap, telles que Uniswap et SushiSwap, et j'en passe. Toutes ces applications décentralisées-là, Trust Wallet prend en compte toutes ces applications décentralisées. Vous passez par ces applications-là et vous faites arnaquer. Pourquoi? Parce que ces sites-là vont vous proposer en quelque sorte. Voici des gens de AirDrop. Vous voyez un peu? AirDrop depuis octobre, le 20 octobre 2021, voilà, jusqu'à qui prend fin le 17 novembre 2021. Il vous proposait quoi? Des AirDrop de pratiquement 100 millions de Trust Wallet, alors que vous savez que un Trust Wallet fait pratiquement 1 dollar et quelques. Donc quelqu'un pour c'est pratiquement 100 millions de dollars de AirDrop, c'est vraiment ahurissant. Alors lorsque vous allez sur ce site-là et que vous connectez, vous cliquez sur Connect Wallet, immédiatement, vous allez vous retrouver sur cette page. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire connecter Trust Wallet ou connecter MetaMask. Normalement, lorsque vous cliquez sur la connexion intelligente, ça ne doit pas vous demander vos 12 mots de sécurité. Ça doit juste afficher un contrat intelligent. Et même là encore, le contrat intelligent va vous dire, la demande du contrat va vous dire de signer. D'abord, il y aura une prévention. Donc là, vous avez le droit ou bien vous avez déjà un avertissement d'où vous pouvez signer ou ne pas signer. Mais des personnes, puisqu'ils sont attirés par le gain, ils cliquent soit Connect with MetaMask, Connect with Trust Wallet, et immédiatement, ils sont redirigés sur cette page. Voici ce que cette page-là, ce site propose. Ils vous disent quoi? Enter your secret phrase here to connect your vault. C'est-à-dire quoi? Connecte ta phrase secrète pour entrer dans le coffre-fort. Alors que là, voici le gros piège qu'il ne faut du tout pas commettre. Beaucoup de personnes ont entré leur phrase de sécurité, alors que normalement, lorsque tu rentres sur un site qui utilise des applications décentralisées, qui utilise des demandes de contrats intelligents, il faut véritablement faire très attention. N'entrez jamais, ne donnez jamais vos phrases secrètes à qui que ce soit, parce que c'est comme donner la clé de votre coffre-fort avec votre code secret à un inconnu. Alors, si c'est tombé dans de mauvaises mains, vous êtes carrément foutu. Voici comment des personnes se sont fait arnaquer au travers de ce site-là. Voilà. Donc là, ce sont les arnaques à ne vraiment pas tomber là-dedans. Donc là, vous voyez, je vais juste vous montrer. Voici ce site-là. Il a été signalé et il a été fermé. Maintenant, là, je vais vous montrer un exemple d'un site
de confiance. Voilà, un site de confiance. Je ne parle pas de Tétan Arena aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe pour les connexions intelligentes, les connexions de signature de contrat intelligent. Donc voilà, ce site-là, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous avez aimé la page, alors cliquez sur l'abonnement, cliquez sur le like, laissez-moi un petit pouce bleu et surtout activez la cloche de notification. Vous serez notifié de nouvelles vidéos. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais aller sur Tétan Arena. Je veux soit peut-être acheter je peux dire des tokens pour pouvoir jouer à mon jeu. Donc là, Tétan Arena va m'envoyer sur sa marketplace. Voilà, actuellement ils sont en version bêta. Je ne parle pas de Tétan Arena aujourd'hui. Je parle juste de comment est-ce que les sites de confiance, lorsqu'ils veulent connecter, vous faire connecter votre wallet, quels sont les avertissements qu'ils vont vous signaler. Bon, voilà, là, je vais aller sur Tétan Arena. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux connecter mon wallet. Donc, je clique sur Connect Wallet. Voici ce qu'il me dit. Voici l'avertissement que Tétan Arena me donne. Il me dit: nous n'allons jamais vous demander votre clé privée pour avoir un accès à vos fonds sans votre consentement. Vous voyez un peu? Alors que l'autre ne vous demande même pas. Vous voyez un peu? Ici, il ne vous demande même pas. Il clique carrément, ils vous disent entrez votre phase de sécurité. D'ailleurs, ce qui est le gros piège. Donc là, voici un site de confiance. Je clique sur, voilà comment se fait la demande du contrat, de la signature intelligente. Voilà. Normalement, voici ce qu'il me demande. Donc là, je lis, ok, je vais acheter. Je clique sur la signature. Là, il ne me demande pas de phrase secrète, mais il me demande plutôt une connexion de signer. Voilà, juste que je serai prélevé. Vous voyez un peu, je serai prélevé. Donc là, voilà. Actuellement, ils sont en version bêta. Donc, on utilise la Binance Machine Testnet pour pouvoir acheter vos tokens. Voilà, voici un peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, je vais changer le réseau. Je vais aller en Testnet. Voilà. Et là, je serai connecté. Voici comment est-ce que cela se passe. Pareil. Et là, je vais vous montrer un peu aussi comment ça se passe sur le mobile. Voilà, je vous montre sur le mobile. Et là, je vais aller sur MetaMask. Voilà, permettez que j'aille sur MetaMask. Un instant. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous connecter à ma chaîne, comme je vous l'ai dit. Voilà, ici. Il y a un petit souci de connexion. Donc là, je vais aller sur MetaMask directement sur mon mobile pour que vous voyez un peu comment cela fonctionne. OK. Voilà, je vais aller sur mon mobile. Je suis sur mon mobile. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon browser. Voilà. Je vais aller sur mon navigateur pour me connecter. Voilà comment ça. Vous allez voir un peu comment se passe. Voilà. Et là, je suis sur Tétan Arena. Et Tétan Arena, je vais connecter mon wallet. Voilà. Je clique sur connecter wallet. Vous voyez un peu. Et voilà. Vous voyez un peu. Et là, ils n'ont pas eu besoin. Je n'ai pas eu besoin de donner ma phrase secrète. J'ai juste eu à cliquer sur la connexion. Voilà, sur la signature intelligente. Et voilà, c'est simple, je peux effectuer mes achats. Voilà, sans souci, sans souci, sans souci. Donc, voici un peu comment cela se passe. Voilà, si je vais effectuer un achat, je clique sur acheter. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de mettre, je peux dire, voilà. Ok. Donc voici un peu comment cela fonctionne. Je suis en testnet. Donc puisque aujourd'hui ce n'est pas pour Tétan Arena que je fais la vidéo, je fais juste la vidéo par rapport aux applications décentralisées, par rapport au portefeuille décentralisé. Faites véritablement attention lorsqu'un site vous propose de mettre votre phrase secrète. Ne le faites jamais, sinon vous allez vous faire vider votre portefeuille. Ne le faites jamais, ne commettez jamais cette erreur-là.
Ok, ne commettez jamais cette erreur-là. Beaucoup ont eu leur compte vidé, beaucoup ont eu leur portefeuille vidé, leur token vidé, parce qu'ils ont rentré leur phrase secrète. Vous avez donné votre clé, la clé de votre coffre-fort à un inconnu sans le savoir. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Comme je le dis, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À très vite pour une autre vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, surtout laissez-moi un commentaire dans la description. Voilà, laissez un commentaire dans la description. Nous allons en discuter. Merci bien et à très vite.